Le quoi sans nombre? Oui, c'est pas si simple de vous le présenter dans la mesure où j'ai eu du mal à l'écrire parce que c'est mon deuxième texte qui concerne le cyclisme. Le premier, d'une certaine façon, m'avait donné moins de mal parce que je me suis intéressé au parcours d'un homme qui a vécu et dont la vie a été très romanesque, ce qui m'a beaucoup aidé, à vrai dire. La trame narrative, je l'avais. Et là, Amélie Petit m'avait proposé d'écrire un essai sur le vélo. À propos de quoi j'avais le sentiment d'avoir beaucoup de choses à dire, mais quant à savoir comment les dire, tout restait à faire. Il se trouve que j'ai une expérience de coureur cycliste assez importante, peut-être un peu trop, parce que j'ai passé 10 années à plein temps à ne faire que du vélo et des courses. Alors, j'ai passé 10 ans à vivoter de course cycliste. J'étais de ces amateurs qui ne sont pas vraiment pros et voilà, et loin d'être suffisamment doué pour en vivre très bien. Et puis j'ai un petit parcours depuis qu'on pourrait dire intellectuel parce que j'ai soigné mes. Ah, j'ai fait en sorte de soigner mes carences. Et il y a une dizaine d'années de ça, j'ai passé 5-6 ans à la fac pour obtenir un petit diplôme de philosophie, hein, qui m'a permis dans lequel s'enracine pas mal de mes capacités à formuler ce qui m'est arrivé à vélo. Voilà. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'effort, notamment au début, à partir de la phénoménologie de Merleau-Ponty. Le vélo lui-même, en tant qu'objet, en tant que machine, c'est d'abord un objet qui émeut, c'est d'abord un objet esthétique. Et en effet, cet abord esthétique de l'objet qu'on éclaire, qu'on déplace, qu'on regarde un peu sous toutes les coutures, qu'on retourne, qu'on caresse aussi, comme peut-être, j'imagine, on peut caresser un bel instrument de musique, enfin les flancs d'un violoncelle ou. Moi, les détails de mon vélo, oui, de tous les vélos que j'ai possédés, je les ai au bout des doigts. En effet, peut-être en effet, comme on garde le souvenir ou la mémoire au fond des mains du corps des gens qu'on a aimés. J'espère bien. Le fait que le corps soit engrené comme ça à une machine, on a tendance à penser qu'il n'y a pas de geste cycliste, que c'est la machine qui suggère tellement que le coureur n'a plus rien à inventer du point de vue. Proprioceptif ou postural. Et ça, c'est profondément faux. C'est profondément faux. Et c'est peut-être d'autant plus faux que précisément, puisque le corps est limité dans l'amplitude de ses mouvements, comme ça, par la machine elle-même dont il est supposé suivre, enfin obligé de suivre les limites, les petits ajustements, comment vous dire ça? Je m'intéresse à ces ajustements posturaux, c'est-à-dire à ces mouvements physiques si discrets et si intimes, qui relèvent presque de la disposition d'esprit. Il y a des choses à vélo pour être bon qu'on n'affronte pas frontalement. Il faut savoir caresser les circonstances, et notamment le pavé qui vous secoue tellement que si c'était une affaire de force brute, enfin, précisément, ce n'est pas une affaire de force brute. Il faut être capable de le survoler, d'ajuster. Je ne sais pas très bien quoi, et d'ailleurs, j'ai été suffisamment bon pour être corrigé par des très bons, et suffisamment pas bon pour rester à ma place. Il s'agit vraiment de mouvements imperceptible et invisible de mouvement du bassin, de la position des mains, d'une façon de détendre ses épaules, d'une façon de pousser ou de recouvrir la pédale. C'est tout sauf un truc de brute ou d'imbécile, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et je postule que les coureurs cyclistes sont des gens très délicats, les grands coureurs cyclistes, et qui ignorent tout de leur délicatesse. Mais ça c'est par habitus. Voilà.